Salut tout le monde, bienvenue chez nous. Cette semaine, on a quelques récoltes à faire au jardin. Donc, je vous amène avec moi pour récolter poivrons, carottes et oignons. Puis après ça, quand on va rentrer dans la maison, je vais vous montrer un petit peu mes méthodes pour les conserver pour l'année. C'est parti! Je les récolte vert. Ben, dans le fond, c'est que mes plants cette année ont très bien produit. Il y a beaucoup de fruits sur chaque plant. Donc évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie à la plante pour les faire tous mûrir. Donc là, ce que j'essaie de faire, vu que l'automne s'en vient quand même assez rapidement, j'essaie de récolter ceux qui ne sont pas mûrs pour donner la chance à quelques-uns de mûrir au complet, de devenir rouge, pour que je puisse récolter les semences pour en avoir l'année prochaine. Ici, j'ai mes deux piquets pour me souvenir que j'ai laissé des carottes là. Le but de ça, ce serait de voir si au printemps, les carottes sont encore bonnes. Ça a l'air que oui, qu'elles sont encore croquantes et qu'elles deviennent plus sucrées. Donc, je suis vraiment curieuse d'essayer ça. Au printemps, aussitôt que le sol va être dégelé, je vais pouvoir creuser, je vais savoir où elles sont pour les récolter tout de suite.
commencer, je vais préparer un potage au poivron qu'on va pouvoir manger cet automne, cet hiver. Je vais vous mettre la recette dans la description en bas. Fait comme ça, si quelqu'un est intéressé à l'essayer, vous avez juste à cliquer sur le lien. Donc la première étape, ça va être de faire griller les poivrons. Donc là, pour commencer, je vais enlever toutes les semences qu'il y a dedans, les parties pas belles du poivron, s'il y en a. Après ça, je vais venir mettre ça sur une plaque pour aller au four. Donc là, j'ai rempli ma première plaque. Je vais aller mettre ça dans mon four qui est préchauffé à broil à peu près 8 à 10 minutes. Ce qu'on veut, c'est que la peau ou la pelure devienne noire pour pouvoir les éplucher plus facilement. Ben voilà, ça va être de ça. Fait que là, je les ai laissés refroidir quand même plusieurs minutes. Fait que là, ce que je veux, dans le fond, c'est ça, c'est d'enlever la peau, la pelure, appelez ça comme vous voulez. Une fois que c'est grillé, ça s'enlève quand même super bien. Comme deuxième façon de conserver mon poivron, je veux en déshydrater pour ensuite les mettre en poudre que je vais pouvoir utiliser comme du paprika. Fait que dans le fond, ce que je veux, c'est vraiment de faire des petites lanières assez minces quand même, que je vais venir mettre sur mon petit plateau de mon déshydrateur. Fait que je vais en mettre le plus possible là, sur ce plateau-là. Puis après ça, je vais partir le déshydrateur quand il va être plein. Puis je vais laisser ça là jusqu'à temps que ça soit sec au complet. Fait que finalement, pour aujourd'hui, notre dernière méthode de conservation, ça va être de les couper en petits cubes. Puis après ça, je vais les congeler en petites portions individuelles. Fait que comme ça, quand je vais en avoir besoin, je vais juste me sortir ma petite portion déjà prête. C'est une des méthodes que je fais le plus parce que j'aime le fait que l'hiver, peu importe qu'on mange, je peux avoir une assiette remplie de légumes, même si c'est pas le temps des légumes. Puis en plus, c'est les nôtres, fait que c'est encore mieux. On passe aux carottes. J'ai déjà commencé un petit peu, eux autres, je les ai râpées. J'ai une recette de muffins aux carottes. Ça prend une tasse et demie. Fait que je vais mesurer ma quantité. Et ça, c'est une tasse. Et demi. Je vais essayer d'enlever l'air qu'il y a dedans avant de le fermer. Voilà, prête à congeler. Fait que quand je vais vouloir faire ma recette de muffins, ben, j'aurai juste à dégeler mon petit sac puis ça va déjà être prêt. Donc là, je les ai coupés d'une autre façon ici, ils sont en tranches. Puis eux autres, ça va plus pour soit ajouter dans mes patates pilées ou dans ma viande tout simplement quand je fais des sautés, peu importe. Finalement, celles qui sont restées plus petites un peu, je vais les laisser entières. Puis je vais m'en servir comme des bébés carottes. Je vais sûrement les mettre dans des mijotés au courant de l'hiver. Fait que ça va être super bon. Fini la récolte pour aujourd'hui. Très contente de ma récolte d'oignons cette année. J'avais essayé l'année passée, ça n'avait pas bien fonctionné. Donc c'est vraiment la première année qu'on en a. On en a déjà mangé plusieurs, frais ou même dans les conserves que j'ai faites. Il nous reste quand même tout ça ici. Quelque chose qui est le fun avec les oignons, c'est que comme on a pu voir, quand ils sont prêts à être récoltés, leurs feuilles se couchent au sol. Donc pour moi, ça a vraiment été le signal que c'était prêt. Pour la conservation, ben les oignons, c'est un légume qui se conserve longtemps s'il est bien entreposé. Avant de l'entreposer, par exemple, on va aller le faire sécher un bon 3 semaines. Moi, je vais aller le faire sécher dans mon garage. Donc, un bon 3 semaines. Puis après ça, je vais pouvoir les rentrer dans la maison. Puis normalement, ça devrait bien se conserver. On n'en a pas tant que ça, là, donc d'après moi, ils vont quand même passer assez vite. Donc, ça devrait bien aller pour la conservation.
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!